Townsend. Venez, vous allez adorer. Ça, on a besoin de gars en pleine forme par ici. D'accord, Jimmy. Feu ! J'ai consulté votre dossier. Et soyez tranquille, je suis prêt à me battre pour ma patrie. Tant que vous savez reconnaître la marche avant de la marche arrière, moi ça me va. Allez, prenez ça. Je vais vous présenter Big Bess, la femme de vos rêves. J'ai notre nouveau pilote, les gars. Elle aime pas trop quand on jure. Finch. Edward. C'est ta première fois? Hé, hey, de quoi tu parles? Fiche-nous la paix, McManus. T'inquiète pas, elle veillera sur toi, d'accord? Bien, les gars. Là, c'est pour de bon. Nos ordres sont de percer la ligne allemande et de détruire au passage leur position d'artillerie. Finch. Tout de suite. Continuerons d'avancer vers la ville de Cambrai, où on m'a assuré qu'il y aurait du vin, des femmes et des chansons, ce qui devrait vous plaire. Ah, McManus. Bon Dieu, vous êtes sûr qu'il sait conduire au moins? C'est bon, McManus. Compris, les gars. Faites votre boulot. Veillez les uns sur les autres, et Bess veillera sur vous. Et que le Seigneur ait pitié de nos âmes. On sortira tous ensemble, pas vrai, Edward? Oui, bien sûr. Plein gaz, pilote! Manus, les oiseaux muent. Je vais lui arracher les plumes. Du calme, ce pigeon pourrait vous sauver la vie. C'est notre seul moyen de communication. Ça va là-haut, Edward? Oui. Je commence à attraper le coup. Tu faisais quoi au pays? Je conduisais. Une voiture. J'étais chauffeur. Halte! Nous sommes assez loin. L'infanterie avancera au premier coup de sifflet. Ensuite, ce sera notre tour. Dieu du ciel. Quelqu'un a déjà vu une chose pareille? Moi, oui. Hélas. Écoutez, nous allons détruire les canons qui sont près de ce moulin. Laissez du champ à nos hommes! Voilà le signal. La gaz! Tir ennemi! L'artillerie fait de la bouillie de nos hommes! Qu'ils ne soient pas morts pour rien! Avancez! Vous voyez ce char, Edward? Ne nous embourbez pas comme il l'a fait! Ils ont eu l'un des nôtres! Regardez devant! Roulez! Nous avançons lentement! Qu'est-ce qui se passe, Finch? Le moteur va bien, sir! C'est la boue! De campagne. J'aimerais éviter de devenir une cible, le nouveau. Bougez, trouvez une position de tir contre ces canons. Le moteur va bien, on peut continuer. Cible détruite. Ces mitrailleuses empêchent nos gars d'avancer. Ils sont morts! Gardez cette position et détruisez tous les canons allemands!
Ils se battent comme des lions. Touché. Nos garçons avancent. Continuez les tirs de suppression. Il faut leur briser les genoux. Continuez et clouez-les sur place. Oh! La victoire est pour les hommes virtueux. Bon travail, les gars. Passons à la ligne de tranchée suivante. Touché. C'est réglé. Nos gars d'avancer. Cible détruite. Allez, Edward. Les fantassins ont besoin de notre appui pour prendre la deuxième ligne de tranchée. Continuez, les gars. Richard, c'est notre seul lien avec le QG. Et toi, Edwards? Un petit coup pour reprendre des forces? Non, je bois pas. Vous vous amuserez une fois qu'on sera à Cambrai, les gars. On a réussi à avancer! Bon travail, les gars! Il est temps de repartir! Des pièces lourdes nous avancent! Planquez-vous! Elle bouge pas! Finch! Faut aller jeter un coup d'œil dehors! Et faites attention, Finch! Edwards, allez lui donner un coup de main!
Les yeux. Rejoindre la ferme devant nous.
si lentement. Va chez les rochers. Venant du front, c'est Hansen.
tirer. 3, 2, 1, 4, 2, 3. Dépêchez-vous. On bouge, on bouge. Ce sera bientôt la fin. Content d'avoir servi avec vous. Vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Des ordres aveugles et le hasard. Dans tous les cas, on va y passer. Je ne peux plus vous entendre, MacManus. C'est bien clair. Très bien, sœur. Edwards, démarrez. C'est l'arrivée des sens. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Et pitié de nous. S'il te plaît, baisse. S'il te plaît, baisse. Arrête. S'il te plaît, arrête. Ah, c'est bon. Vous allez rester planté là. Je ne vois pas à plus de 20 mètres. Nous progressons. Edwards, je vais conduire. Sortez et partez en éclaireur. On ne joue pas les héros, compris? Tâchons de tous arriver en un seul morceau, d'accord, Edwards? En cas d'ennui, on sera juste derrière. Ça sent la pièce de campagne. S'il y a un canon, vous devez vous en occuper. Si ça tourne mal, on viendra à votre secours. Sinon, on amènera Bess dès que vous donnerez le signal. Ich muss pissen.
nice and langweilig. Hey, Kamerad. Edwards, vous voilà, mon garçon. Ça m'a l'air dégagé. C'est à vous qu'on le doit, Edwards. Vous m'avez demandé de nettoyer le secteur. Je suis impressionné. Bess va s'occuper de cet obstacle. Reculez, je vais franchir les barbelés. Je n'y vois rien. Edwards, passez devant et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. J'ai l'impression que des ennuis nous attendent. Partez en éclaireur et si tout va bien, envoyez-nous un signal. Nous viendrons vous aider si nous entendons du grabuge. Wir hätten einfach eine Mauer durch ganz Europa ziehen sollen. Dann hätten wir uns das alles hier gespart. Hättest du eigentlich irgendwann die Klappe? Thank you.
Joli, mon garçon! Vous avez calmé ces moches, hein? Continuez comme ça! Faites attention à vous, on va s'occuper de ça. Je n'y vois rien! Edward, passez devant et guidez-nous! Et ne vous éloignez pas trop! Vous avez réussi à nous amener ici, Edward. Continuez jusqu'à ce que nous soyons sortis de ces bois. Bon, nous sommes tous fatigués. Mais vous allez devoir de nouveau nous dégager la voie. Allez-y. Was für ein Scheiß. Ich sag dir was. Nur weil ich das Beste für unser Land will, bestraft mich der Hauptmann ständig. Was ist daran falsch, hä? Hör zu, Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Posten! Scheiße aus. Was? Ah, nichts. Wenn ich ganz Europa ziehen sollen, dann hätten wir uns das alles hier gespart. Nichts da hinaus, du Idiot! Hey, was war das für ein Geräusch? Ja. Alles gut? Geschwätz interessiert! Ich kann's nämlich nicht mehr hören! Das ist scheiße ab.
Selon la carte, on devrait bientôt être sorti de cette satanée forêt. On doit d'abord traverser le pont qui est ici, et ensuite ça ne devrait plus être long. Sur le pont, les Allemands ! Faut s'occuper d'eux ! Avant-poste droit devant. Et il semble qu'ils soient préparés pour accueillir Bess. On va attirer leurs tirs. Contournez-les et attaquez par derrière. Dermaßen langweilig. On va en croiser d'autres. Cherchez tout ce qui peut nous aider. Des renforts arrivent.
Eh bien, ça suffira pour la journée. Edwards, grimpez et prenez les commandes. Fichons le camp d'ici. Tâchons d'éviter ça à l'avenir. Allez, grimpez et prenez les commandes. Excellent travail, Edwards. Si on survit, ça vous vaudra une médaille. Change les bougies. Vous devez localiser le village. Alors, vous le voyez? Vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? Edwards. Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. On dirait que, pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. Très bien. Allons-y, Edwards. En route. Bonne chance. Par ici. Il sera mort avant l'aube et le char bougera pas. C'est foutu. Quoi? Vous voulez qu'on abandonne la mission? C'est pourtant clair, Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp. Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais. Et foutez-nous la paix! On va s'en sortir tous ensemble, tu parles. Allez, trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir.
deux hélicos. Un de moins, il en reste trois. Verdammter Hauptmann, gib immer mir die Scheißarbeit. Was denkst du? Leck mich da. Ich weiß, der Schule hat das Feldnebel eingesperrt. Wenn er rausfindet, dass du das hast, schickt er uns beide die Kinder. Ach, keine Sorge. Woran denkst du gerade? Schon gut. Was denkst du? Hey, hast du mal eine Zigarette? Nein, ich rauche nicht. Ich eigentlich auch nicht. Aber das hält mich wach. Ich hätte ein bisschen Snus, aber der ist seit Wochen alle. Was zum Teufel ist das denn? Das Zeug hatte ich aus Schweden. War mal in Stockholm im Urlaub. Ist ein kleines Briefchen mit Tabak, das du dir unter die Lippe schiebst. Ist das Zeug gut? Ich hätte mich beim ersten Mal fast eingepisst. So schlimm? Nein, das Zeug ist großartig. Dann lass mich mal kosten, wenn du wieder was hast. Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist hier irgendwas? Woran denkst du gerade? Hä? Vergiss es. Ich hab was gehört. Ich weiß nicht. Meine Ohren klingeln immer noch. Uns doch beide um. Siegler ist so ein Arsch. Er verdient es nicht anders. Er ist ein Arsch, ja. Und extrem gefährlich. Der schickt uns eiskalt auf die nächste Selbstmordmission. Und dieses Mal haben wir nicht so viel Glück. Oh, sein dummes Gesicht bei unserer Rückkehr war unbezahlbar.
Ich bin sicher, er hat schon Pläne, wie er uns töten wird. Das ist die letzte Option. Ich habe seine Schreibtischschublade aufgebrochen und ein Notizbuch gefunden. Heilige Scheiße. Was schreibt er denn? Der Mann ist total verrückt. Fantasiert über allerlei Dinge. Das willst du gar nicht wissen. Mein Gott. Keine Sorge. Ich habe das Buch konfisziert. In der Schublade ist nur noch... Nun gut. Ich habe was gehört. Ich habe nichts gehört. On est à mi-chemin. Scheiße. Sieht scheiße aus. Oh, mein Magen. Yeah.
Allez, plus qu'un. Unser Mann für Raritäten. Raritäten? Du weißt schon, Schmuckelware. Hast du eine Meise? Nein, warum? Weil du mich erstens mit jemandem verwechselst und ich das zweitens sicher nicht laut rausposaunen würde. Oh, klar. Ich komm zu dir runter. Halt endlich dein Maul! Zu Arschloch! Konzentrier dich auf deinen Posten! C'était le dernier. Allons retrouver Bess.
crois que j'ai fait fausse route. Oui, on s'est tous un peu égarés. Eh ben, montrez-nous la voie. C'est pas vous, le pilote? C'est du joli travail, les gars. Ouais. On s'en sort pas mal. Ouais. C'est bon, j'ai terminé. Alors, on la remet en route. J'ai toujours fait ce qu'il fallait! Vraiment tout! Dans ma putain de vie! Toute ma vie, je me suis attaché à suivre les règles! Suivre les règles! Alors, qu'est-ce que tu me fais? Espèce de putain! De putain de saloperie de machine! Allez! Allez, baisse! Ressaisis-toi, tu peux pas m'abandonner! T'es une battante! Alors maintenant, tu te bats! Le rendez-vous est au-delà de ces collines. Il faudra faire attention à ce village-là en bas. Très bien, les gars. Accrochez-vous. On y va. Sur la gauche, des chars capturés entrent dans le village. Attention. Nous sommes derrière les lignes Bosch maintenant. Impossible de savoir ce qui nous attend. Eh ben, c'est encourageant. Allez, les gars. On a tenu bon jusqu'ici. C'est pas pour arrêter maintenant. Bess nous a amenés ici. Elle nous mènera au bout du chemin si on fait notre travail.
corps de triage de l'autre côté de cette colline. On cherche la grande route située derrière. C'est un point de rassemblement. Ils se préparent à reprendre Cambrai. Alors on fonce à travers. Et quoi? On les laisse surprendre les nôtres au point de rendez-vous? Alors, quel est le plan? Nous avons l'initiative. Si on frappe vite et fort ici, on peut leur porter un sacré coup. D'accord. Allons-y. Avancez. Continuez à les déboussoler et espérons qu'ils ne comprendront pas qu'ils... Dépêchons-nous de filer vers Cambrai, tout droit, sur la grande route. C'est exactement de là qu'ils vont venir. Edouard, trouvez-nous une position permettant de les attaquer à leur arrivée. Visez.
La portée est bonne. Obus explosif, feu. Ah, on fait moins les malins maintenant, hein? Ne vous emballez pas, restez concentrés. Poche. Cette contre-attaque n'a pas été aussi puissante qu'elle aurait pu l'être. Ils vont revenir. Alors on s'enterre ici et on se bat! Laissons Bess faire ce qu'elle fait le mieux. Ça va, les gars. C'est tout cet amusement qui me fatigue. Allez! Ça va aller, Edward.
quoi maintenant, Pilate? On marche.